C'est le groupe. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Là je suis en partance pour un spot à silure que j'ai trouvé hier. Les conditions étaient pas fameuses et pourtant en me baladant, en cherchant l'aspe, j'ai réussi à trouver une espèce de petit nid à silure. Le mieux c'est que vous regardiez les images que j'ai tournées hier. J'avais pas mon matos silure malheureusement, donc je vous laisse regarder les images et on retourne sur ce spot tout de suite. C'est parti. Voir si je peux approcher sans les faire fuir. Voir si avec ma canne je pourrais les avoir demain. La longueur de ma canne. Ah, ils sont sous les grosses branches. Oh, il est balèze celui-là. Il y a des milliers de vifs, mais vraiment des milliers. Hein. Des petits vifs, mais pas plus grands que ça. Au milieu, il est silure. Oh la vache, faut absolument que j'en vienne demain. Et celui-là était beau. Punaise. Par contre, il y a énormément de pièges. Hein. Il y a une branche comme ça, une autre un peu plus loin. Un arbre, un carré, quasiment un tronc là. Un tronc ici, un tronc là. Aïe aïe aïe. Là, je pourrais le mettre sur la petite avancée de terre là ici. Et avec la longueur de canne, je pense que je pourrais l'atteindre. Bah moi je vous dis à demain hein, du coup. Il fait très très froid, il fait 1 degré. On est en plein hiver. Donc je sais pas si les silures vont bouger. Je serre tout de suite le frein avant d'oublier. Bon là faut serrer, hein, j'ai pas le choix. Au menu du jour, on a des vers. Je vais accompagner ça de frolic complet, volaille fraîche et légumes verts. Très bon menu ça. Je vais leur mettre ça. Pour le montage, c'est toujours le même. J'ai ma tresse, je suis en full tresse. J'ai qu'un seul nœud sur ma tresse, c'est le nœud qui relie à l'hameçon. Ma plomberie de 20 grammes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant. Et là, j'ai mon espèce de bout de scotch qui permet de varier, en fait, la hauteur d'évolution des vers quoi en fait. Plus je monte, plus le montage sera planant, plus je descends, plus le montage sera fixe. J'y arrive pas. La cagobé. Attention. Pousse. Putain. C'est pas le gros, mais déjà pas mal. Il a gobé tout de suite. Yes. Ouh. Il essaie de se foutre dans les racines là.
le pommier est pas mal hein. Il est pas mal. Oh. Laisser un peu le frein parce que tire quand même. Oh, pique en plein milieu de la gueule quoi. Yes. Oh, décroché. Non. Non. Décroché. Oh, comment c'est possible? Rien n'est ouvert. Putain! Du coup, ils sont tous barrés, quoi. Oh non! Jour numéro 3. Comme je suis vraiment têtu comme une mule, je suis revenu sur le même spot. L'eau a monté. Mais c'est coloré. C'est vraiment pas terrible. J'ai cru voir un silure. Distinguer un silure. Mais j'ai cru, hein, parce que franchement, je vois que dalle. Le temps, comment le temps est sombre. Je vois rien au fond de l'eau, même avec le polarisante. On va quand même essayer, hein, maintenant qu'on est là. Ça donne ça. Pas besoin d'en mettre plus, hein, ça sert strictement à rien. Yes. Oh putain! Il est gros! Oh, il est gros! Oh putain! Ah oui! Ah. C'est le gros! C'est le gros! C'est le gros. Ah, les branches. Voilà. Viens là. Viens là. Putain. Il est juste là. Il est balèze. C'est le gros. Yes. Putain, ce qui me dégonne. Oh le engin. Oh la vache. Non, pas par là. Heureusement que je suis assis sur le rebord du couteau là. Voilà, j'ai les deux gants. J'ai les herbes qui me chatouillent les oreilles derrière. Ah putain. Ah l'engin. C'est le gros. Oh yes. Je l'ai. Putain. Je l'ai pas.
Olé. Putain. Voilà. Bon, je l'ai remonté là, hein. Vite fait, tout est mouillé. Y a pas de souci. T'as piqué juste un hameçon. Et t'es pas prêt de se décrocher. Hein. Voilà. Par un hameçon. Ça lui fait juste une toute petite piqûre là. 1m62 ce beau bonhomme. Yes. Super poisson. Super poisson. Quel combat il m'a fait. Je le voyais plus gros que ça. Hein. Mais super combat. Génial. Regardez-moi ça. J'ai la tremblade. Ça c'est. J'ai forcé l'acide lactique. Allez, on va le remettre dans l'eau. Ah bah. Putain la vache, je voulais le nettoyer, il est parti comme ça quoi. Il est là. Oh yes. Moi je suis rincé par contre. Hein. Rincé. Ouh. Quel combat il m'a fait. Ah voilà, ça valait le coup de s'acharner. Hein. Je suis têtu mais je l'ai eu.